comment ça, c'est des bigorneaux ou quoi? Non, c'est des bulles. Comment? Des bulles, escargots. Escargots de mer. Ah, ok. Regarde. Waouh, et ici, poulpe. Ça, c'est des poulpes. Ça, tu veux? Il y a ça dans Bob l'éponge. Hein. C'est aussi, non? C'est très bon, hein? C'est délicieux. Hein? Est-ce que ça, avec le calamar, c'est la même chose? Ah, c'est autre chose, c'est une autre famille. Ok. On mange tout là-dedans, il n'y a rien qu'on jette. S'il vous plaît. Merci. Je termine de filmer mes petits poissons. Bon, allez-y. Voilà, la semaine prochaine. Parce que... L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Balandi émission Moseka de Malheur Moderne, beauté nabino, beauté nabino nyoso. Voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je vais manger. Donc, je ne suis pas pour la privation, donc j'essaie de manger ça et de varier et aussi de manger beaucoup de légumes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon steak d'espadon que je vais cuire sous vos yeux à la plancha. Je vais manger ça avec un riz aux légumes ou des légumes au riz, c'est-à-dire qu'il y a plus de légumes et moins de riz. Voilà. Donc première étape, je vais un petit peu mettre de la matière grasse. Ici donc nous avons nos steaks d'espadon qui ont été marinés, hein, avec un peu de persil, poivre. J'évite de mettre trop de saveur parce que je veux goûter le poisson. Il est frais, je l'ai pris à la poissonnerie. Donc... vous avez pu voir dans les images, j'ai été chez mon poissonnier, j'ai pris l'espadon là-bas. Il est très frais, donc ça a un goût iodé, naturel. Donc je ne vais pas aller encore mettre trop de saveur. Donc il y a du sel, du poivre, du persil, de l'huile d'olive. Et pour enlever ce qu'on appelle les ailes, vous pouvez mettre un filet de citron. Souvent, qui dit poisson, dit citron. Ou alors, pour ceux qui consomment du vin dans la nourriture, vin blanc ou vinaigre de vin blanc. Voilà. Donc, il y a un peu d'huile que j'ai rajoutée ici dans ma marinade. Je vais prendre cette huile pour un petit peu, allez, mettre sur ma plancha. Voilà. Et ensuite, on va cuire nos steaks d'espadon. Voilà, donc l'espadon est un grand poisson. Ce n'est pas un poisson bon marché, hein, donc voilà, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. C'est pas un poisson moins cher, ça c'est pas du Thomson, hein, Bandeko, Thomson T. Ils appellent ton T, hein, François, on dirait ton. Oh, Thomson T, Malwa T, ça espadon. L'espadon est le poisson préféré de ma fille Debs Gabs, donc je dédie cette recette à Déborah, ma grande. Et l'espadon ne fait pas partie des poissons bon marché, ni non plus les poissons de luxe exagérés. Je vais vous donner les tranches de prix. Ici en Belgique, dans certaines poissonneries, on peut acheter l'espadon. Excusez-moi, on peut acheter l'espadon à entre 20 et 35 euros le kilo. Si vous avez de la chance, il existe des poissonneries où vous pourrez le trouver à 16 euros le kilo. Mais il faut savoir que quand il y a une différence de prix, il y a une raison. Il y a certains poissons qui sont moins chers parce que c'est des poissons d'élevage. D'autres sont moins chers parce que c'est la provenance. Ça dépend de quel pays ça vient. Mais le bon plan, moi je vais souvent faire mes courses à Auchan en France. Là-bas, dans leur rayon poissonnerie, j'ai déjà vu de l'espadon à moins de 15 euros. Donc si vous habitez la France, essayez de demander... C'est un très bon poisson, ça rappelle la viande par sa texture. Et vraiment, je le conseille. Et puis, il n'en faut pas beaucoup, hein, même si ça coûte 28 euros le kilo. Ici, on n'a pas un kilo, hein, donc il y a moyen encore. On peut même manger à deux. Hein, ici, je vais faire un dressage avec un seul steak, parce que deux personnes peuvent manger. Hein. Mais maintenant, si c'est un gros grand mangeur, il mange les deux. Voilà, donc on est en train de cuire notre steak d'espadon.
On est en train de les snacker. Voilà, Vandeko, oh, ton santé, hein. Oh, espadon, hein. Voilà. Oh, là. La mise à pas en pas maté, hein. Donc, la mise, moi, à mon niveau, quoi. Mais, je vais vous dire un mot parce que, au moins, les gens m'ont fait assez. Les gens qui toquent, et puis, tout ce que je n'ai pas géré, tout le temps, tout le temps. C'est très, très bon. Voilà. Le steak d'espadon. C'est vraiment comme un steak, hein. Mais c'est du poisson, c'est délicieux. Waouh. On va regarder, hein, pour voir un peu si ça prend déjà de la coloration. Donc on laisse cuire gentiment. Donc vous pourrez voir ce que c'est un espadon. On va vous montrer les images. C'est un poisson qui a une espèce de nez pointu comme un marteau, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Voilà, on va tenter de retourner, à mon avis c'est cuit, hein, parce que sur les bordures, c'est cuit. En tout cas, sur les pattes. Après, on pourra cuire un petit peu plus pour avoir de la coloration, hein. Mais c'est une viande blanche, hein. Enfin, une viande, excusez-moi, c'est du poisson, hein. Mais bon, on le considère comme de la viande. Nous, on mange ça avec des trucs de viande, hein. Regardez. Avec ma fille, on mange ça avec des trucs de viande. C'est du poisson, hein, mais... tu vois. Voilà, le espadon est un poisson robuste, hein. Il peut mesurer jusqu'à 2 mètres, il peut peser jusqu'à 100 kg et parfois il attaque même des navires. Il vient avec son épée là, qu'il a au bout de... Je ne sais pas si c'est son nez ou si c'est son bec, ou on ne sait pas comment appeler ça. Voilà, et puis il perce des trucs. Il est moche, hein, l'espadon. Très très moche, mais très bon. Pour manger, c'est très intéressant. Voilà, manger de temps en temps. La steak d'espadon. Si vous êtes contraint, enfin contraint, si vous devez faire attention pour votre santé, que vous devez manger des choses pas trop grasses et tout, ne vous en faites pas, il y a plein de choses agréables à manger. Hein. Si vous goûtez cet espadon, vous allez avoir envie de manger aussi comme ça. C'est très bon. Et puis surtout, il faut enlever la monotonie. Quand on veut faire attention, on veut se mettre dans un régime à vie, ça veut dire en permanence faire attention, il faut vraiment éviter la monotonie. Voilà. Pour la petite anecdote, ça s'appelle espadon. Hein. Mais au Congo, on dirait espadon. Le E serait parti, on ne sait pas pourquoi. Il y a une logique congolaise, quand il y a un E, on enlève. Mais ça, c'est, ça s'appelle boitage, hein, c'est pour rire. Espadon. Hey. Voilà, j'ai cassé mon steak. Mais c'est pas grave, on garde la forme. Quand c'est comme ça, il faut alors ne plus utiliser la pince. On va prendre un instrument autre. Voilà. Là, ça libère déjà les arômes, ça sent très très bon. Si vous aimez l'ail, mettez un peu d'ail. Hein. C'est pas mauvais. Et je vous avais montré dans la vidéo comment cuisiner du poisson salé pour une personne qui aurait dû faire attention. Donc je disais dans ma vidéo comment cuisiner pour une personne qui aurait de l'hypertension, donc du poisson salé. Je conseille de mettre de l'ail. On va encore retourner. Mais là, à ce stade, c'est cuit. Hein. On veut juste que ça prenne une petite coloration. Donc, on va mettre ça du côté où il n'y a pas de jus. Que ça colore bien. Vous voyez, quand il n'y a pas de jus, la coloration arrive rapidement.
un peu se débarrasser du jus. Comme ça, ça va cuire plus vite. Donc ça a rendu de l'eau. Hein. C'est pas un poisson secret. C'est vite fait, hein, ce genre de plat. Voilà, vous voyez, la coloration est déjà là. Donc ici, c'est purement esthétique, c'est déjà cuit. Voilà, parce que de ce côté, il n'y a pas de jus. Voilà, toujours là, Mambi ici. Tout le monde a un loto, vacha, légumes, sauf les légumes, vacha, loto. On a 140 ans. Il y a santé, hein. Pas tous les jours, car le soupe, il y a kilo, c'est la sauce bloquée. De temps en temps, de l'eau, on va brûler. Et puis, il y a la norme aussi, hein. Voilà, le corps. Le tofu, t'as dit, si on a juste la présentation à tête d'angaï, on a regardé pourquoi. À qui? Donc je vais manger, c'est mon assiette de ce soir. J'ai mon steak d'espadon, mes légumes au riz ou mon riz aux légumes. Mais en tout cas, en bref, il y a vraiment une demi-tasse de riz cuit. Hein, une demi-tasse de riz cuit. Et tout le reste, c'est des légumes, poivrons, courgettes, trois sortes de poivrons et oignons. Voilà, pour moi, c'est suffisant. Voilà, si vous voulez, vous pouvez napper avec une sauce, mais alors ça doit être une sauce light. Mais pour moi, le riz est bien parce qu'il y a de l'huile d'olive, il n'est pas sec du tout, donc ça va aller. Vous pouvez manger ça. Bon appétit! C'est le moment de notre bonus et en fait en bonus j'aime bien de vous montrer les produits préférés des Congolais de Kinshasa, enfin de la République démocratique du Congo, aussi bien des Congolais qui sont là-bas ou ceux de la diaspora. Aujourd'hui je vous présente la noix de coco, voilà. Donc voilà, la noix de coco pousse sur des cocotiers, c'est des grands arbres type palmier comme ça. Et donc au Congo c'est vraiment un produit apprécié. Et on le vend sous cette forme. On peut aussi le... Moi, en fait, quand j'étais petite, je ne l'ai jamais acheté. Je le trouvais dans les maisons. Hein. On avait une grand-mère qui avait des noix de coco. À ce moment-là, il y avait encore tout autour, il y a encore la peau. Hein. Ici, on a déjà enlevé une première partie de la peau. Mais c'est vendu, même sous cette forme. C'est vendu déjà coupé au marché ou chez des vendeurs ambulants. Et donc là-bas, c'est vraiment la culture de manger la noix de coco. Il existe aussi des friandises à base de noix de coco, comme les nyampoules. Donc j'essaierai de demander à mes complices du Congo de vous montrer ce que c'est, le nyampoule. Et donc, c'est un produit qui permet d'obtenir beaucoup de choses. À elle seule, la noix de coco, elle peut nous donner déjà la pulpe, la chair qui est à l'intérieur. On peut la manger. Et si la noix de coco n'est pas encore à maturité, la chair est... tendre, c'est agréable à manger. Donc si vous percez la noix de coco, il y a une technique infaillible, hein, il faut percer sans trop casser
reste pour avoir un espèce de trou. Vous allez pouvoir extraire ce qui se trouve à l'intérieur, c'est de l'eau de coco. Hein, c'est de l'eau de coco. Vous entendez? Donc il y a de l'eau de coco à l'intérieur. C'est de l'eau naturelle créée par Dieu lui-même qui est à l'intérieur de cette noix de coco. En principe, l'appellation correcte est eau de coco, ce n'est pas du jus. Et même si on mixe ça avec de l'eau, on n'obtient pas du jus. On obtient au pire un nectar. Hein. Mais bon, ça, un autre jour, je vous expliquerai la différence entre les jus, les nectars, les préparations, etc. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est de l'eau de coco. Ça a une couleur plutôt transparente. Elle est, c'est légèrement coloré. Hein. Donc, dans les gris ou dans je ne sais pas quoi, c'est légèrement coloré. À ne pas confondre avec le lait de coco. Voilà, donc ce qu'il y a à l'intérieur, c'est de l'eau de coco. Et pour obtenir le lait de coco, le lait de coco, en fait, c'est le résultat d'une fabrication. Tandis que l'eau de coco, c'est naturellement présent dans la noix de coco. Donc, pour obtenir du lait de coco, il faut râper à l'intérieur les morceaux qu'il y a de comestibles hein, de la noix de coco. On râpe. Ensuite, on peut mixer. On ajoute de l'eau. On peut commencer à faire bouillir ce mélange. On fait bouillir et après on laisse reposer. Et au moment où on va laisser reposer, on va obtenir deux produits. On peut laisser reposer au frais ou carrément au frigo. Donc on va obtenir au-dessus du mélange une espèce de couche. Je vais essayer de trouver des images sur internet pour vous montrer la procédure. Une espèce de couche, c'est comme du beurre et cette couche là, c'est de l'huile de coco. L'huile de coco, quand elle fige, elle devient dure. Vous la mettez au soleil ou bien près de la chaleur, elle va fondre. Donc, vous obtenez de l'huile de coco et en dessous, il y a de l'eau. Et cette eau, c'est ça qu'on appelle le lait de coco. Ça vient du fait qu'on ait râpé d'abord la noix de coco ou pilé la noix de coco, qu'on ait fait bouillir. Et donc, il y a eu la graisse qui est remontée. Ce qui est resté en bas, c'est le lait de coco. Ça n'a rien à voir avec l'eau de coco qui est naturellement présent ici. Le lait de coco est très bon. Pour ceux qui ont de l'intolérance au lactose, on peut l'utiliser aussi dans des recettes thaïlandaises. Pourquoi pas? Il faut savoir qu'au Togo, il existe une recette de pondou à base de lait de coco. Donc c'est un bon produit. D'ailleurs, je cuisinerai quelques plats à base de noix de coco ou de lait de coco. Voilà, donc c'était pour vous présenter en bonus la noix de coco et l'émission Moseka de Malewa Moderne. Je vous dis au revoir.